Ouh là là, un camp, un coffre. Oh, punaise. Il y a quand même quelques trucs intéressants. L'or, j'en ai pas vraiment besoin. Je vais quand même le prendre vu que c'est limité dans le monde. On sait jamais. Blue gem, je vais le laisser. Le reste, je laisse. Parce que ça, je sais pas à quoi ça sert. Eh ben, je vais me faire de la ratatouille. On va en profiter. Hein. Cook. Mince, oh, je me suis trompé de touche. Hop. Eh ben, en attendant. On va en profiter pour se libérer les mains ou pas. Parce que ça me ferait consommer du bois. Ah! Attends, on va ramasser l'étoile. Store, ça aussi. Alors la lance, elle a combien? Store. Elle est à 100%. Ben voilà, je te l'échange. Hop. Là-dessus, on va la recharger. Mais non, oh. Encore. Encore, encore. Hop. Voilà. Tac. La machine, ouais, elle me sert à rien là tout de suite. Non. Bon. Je vais me refaire un deuxième plat de ratatouille. Cook. Tac, tac. Hop. Voilà. Hop, add fuel. On le remplit. Ouais, mais alors pourquoi il y avait des toiles et des glandes? Il n'y a pas de nid, il n'y a rien. C'est bizarre ça. Est-ce que... Ouais. Non. Non, non, non. Hop. Est-ce que je récupère la tente? Quoique c'est peut-être pas... Je sais plus ce qu'il faut pour faire de la tente. Ah bah si, il faut la toile d'araignée et hey, on ramasse. Oh merde! La boulette! Merci! Oh là là! Heureusement qu'on n'est pas tué instantanément quand même. Les brindilles, c'est pas la peine. Store. Les cordes, ouais, c'est pas vraiment utile non plus. C'était surtout pour les toiles d'araignée au final. Tac. Bon allez, on est reparti. Ouais, je vois toujours rien d'intéressant. Bon, on a quand même fait une petite trouvaille avec ce petit camp. Alors je sais pas s'il y a beaucoup de choses comme ça, aléatoire. Alors apparemment ça rejoint l'autre côté, donc on va peut-être finir d'explorer un peu de ce côté. Là, je croyais avoir vu un truc bouger, mais non. J'ai des hallucinations, tout va bien. Ouais, alors je sais pas si on peut leur donner de l'or à manger à ces bestioles là. Parce qu'il me semble que l'espèce d'escargot là, ils la mangent. Les escargots qui font des cacas bizarres là. Ouais, je connais pas bien ouais, le monde des cavernes. Et puis ouais, j'ose pas trop attaquer les créatures. Comme l'escargot, je crois qu'on peut récupérer sa coquille normalement. Ça ralentit énormément, mais ça protège bien. Je crois que c'est pire que l'armure de marbre. Ah, oh, mais à chaque fois. Hein. Putain, bon, une fois que j'en ai vu, ça va, mais le premier que je vois, il me fait m'arrêter. J'ai toujours peur que ce soit une sale bestiole. Ah ouais, là-bas c'est blindé d'araignées, alors sans la canne, ça va... Ouais, ça me paraît un peu risqué. Oh oh. Il me faut des lucioles pour recharger mon casque. Si je vais pouvoir me balader avec la canne. Ah, quoique, on n'a pas tout regardé ici. Peut-être que ça repart. Ah, ça se trouve, ça rejoint même les araignées, en fait. Ah bah tiens, en parlant d'araignées... Oh putain.
Allez, viens, viens, viens. N'empêche, j'aurais pu donner des rochers aux bestiaux là pour qu'ils me suivent et qu'ils défoncent les araignées pour moi. Alors, je sais plus ce qu'il faut leur donner pour qu'ils suivent. Si un rocher normal, ça suffit. Hop. C'était quoi ça? Des chauves-souris encore? Oui, guano, de toute façon. C'est du caca de chauve-souris, ça. Quoi que ça a l'air calme. Non, c'est un cul-de-sac. Super. Bon. J'ai entendu la chauve-souris, mais je ne l'ai pas vue. On va recharger un petit peu. Hop. C'est fait. Bon, chauve-souris, je t'ai entendu, mais je te vois pas. Ah, mais ça repart! Ah oui, c'est vrai qu'il y avait. Oui. Plein de roseaux. Oula, il se passe des trucs là-bas. Donc il doit y avoir des tentacules. Ouais, bon, ça me paraît un peu risqué là, sans la canne, ouais. Il faut vraiment éviter les toiles d'araignée. Ouais, on prend pas de risque. Dès que je vois que ça bouge. Allez, voilà, entretuez-vous. Là, je scrute vraiment le sol, voir si je vois les tentacules sortir. N'est-ce pas? Là, je regardais les araignées. Bon. Je vais essayer d'aller au... Ouais. Complètement au sud. Oh, Chester! Bouge! Ils ont eu le tentacule. Chester! Tu te fais attaquer par une warrior, là. Bouge tes fesses. Ça va, au moins les reines araignées ne sortent pas. Putain, il y en a partout. Tentacle. Oh, mais lâche mon chasseur. Saleté. Hein. T'as plus les tentacles, elle s'en fout. Oulala, ça se bastonne encore. Hop, hop, hop. Putain, mais y en a tous les côtés. Bon, pendant ce temps-là, je fais mon stock de roseaux. Ça peut me servir pour faire des compresses à base de miel. Parce que lui, je crois pas qu'il puisse se faire de nouveaux bouquins. Il est pas comme Wicker Bottom. Il pouvait, ouais, créer des bouquins pour faire de nouveaux sorts. Ce que je n'ai pas eu le temps d'essayer de faire. Alors il y a des tentacules. On trace. Putain, c'est sacrément hostile ici. Hein. Voilà. Et vachement étendu aussi. Dis donc. Allez, on prend le temps de visiter un peu. Merde, merde, merde. Non. Enfin, de visiter. De découvrir toute la map, quoi. Hop. Je pense qu'on a fait le tour, là. Puisqu'on revient sur nos pas. Je crois que c'est 20, le stock de roseaux. Hein. Donc, soit 40. Je sais plus, t'en as un, je crois. Hop. Est-ce que je peux le mettre avec... Ah bah non, c'est 21 alors, je confonds avec autre chose. Allez, hop hop hop. Parce qu'à la surface, il n'y en a pas des masses. Hein. Il y en a un petit peu dans une zone spécifique à l'est. Mais pas plus que ça. Ah, attendez. Ouais, bah, de toute façon, faut que je passe. Nanananana. Putain, cette toile, c'est pas bon là, avec les tentacules. Quoique j'ai l'impression que ça m'a pas vraiment ralenti là. Bon, Chester, voilà, on a ramassé assez de roseaux. Mais de toute façon, c'est coupé là. Alors attendez. On mange un petit bout déjà, hop, voilà. Il n'y a plus de ratatouille. Si on va par là. Où ça grouille?
Il y a des tentacules. Ah oui, donc ça rejoint l'autre côté, mais on va pas y aller. Donc, alors tout à l'est, je ne suis pas allé voir si c'était un cul-de-sac ou si ça rattrape un peu plus au-dessus. Donc oui, c'est par là, donc je pense que ça rattrape les araignées. Je sais pas comment elles s'appellent ces araignées en fait. Ah non, c'est fermé, ok. Ouh. Attention à la tête. Ah, le chauve-souris là, cassez-vous. D'où elles sortent, sérieux? Il n'y en avait pas il y a 30 secondes, mais bon. Est-ce que je retourne voir les araignées? Ouais, allez, tant que je suis là, autant en profiter. Essayer de voir si j'ai pas loupé quelque chose d'intéressant. En tout cas, ces chauves-souris me font bien cueillir. Alors après, pour revenir sur le vert, je sais pas ce que ça fait quand on récolte jusqu'au dernier moment la plante. J'espère qu'on se fait pas one shot quand même. Ce serait un peu sadique. Ouh, ça faut éviter ça. Je crois que, ouais, voilà. Ça fait venir des hallucinations et je crois qu'elle va pas me lâcher. Après, ouais, j'aurais mon casque, j'aurais pu essayer de le tuer pour récupérer. Nightmare Fuel. Mais là, je ne peux pas. D'ailleurs, hop, on recharge un coup. Ouais. Bon, ça va, il n'y a pas trop d'araignées non plus. Il y a moyen de se déplacer. Hop, on continue. Encore une faille. Ouh, non, non! Saloperie! Ah non, il y a des failles partout là. Non, non, c'est pas bon, c'est pas bon. Merde, 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 non, je me casse. Allez, c'est bon. Je me casse ou je continue? Oh putain, une deuxième allée. Non, non, allez, wow, j'ai envie de me casser, mais de continuer. Qu'est-ce que je fais? Je ne sais pas. Je peux pas me défendre. Putain, il court trop vite. Saleté. Hein. Fous-moi la paix. Non, 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 avec les araignées, non, ça va pas. Deux créatures comme ça, là, non. Bon, allez, s'il n'y a plus d'araignées en haut, ça va. Sinon, on se barre. Et voilà, mais c'est comme ça que je suis mort avec Wicker Bottom. C'est parce que j'étais poursuivi, j'ai voulu remonter, je me suis fait attaquer pendant le temps de chargement pour remonter. Les chiens m'attendaient en haut. Et du coup, je suis redescendu. Et je crois que c'est là que je me suis fait tuer par l'hallucination, quoi. Pendant le temps de chargement, en fait. Je sais pas si j'ai tout exploré au sud, ça m'embête. Mais attendez, normalement il n'y a pas moyen de descendre à un autre niveau? Ah, mais ce qu'il y a, c'est que j'ai pas tout visité non plus. Est-ce que je prends le risque d'aller un peu plus au sud? Ouais, allez. Soyons fous. Les hallucinations apparemment m'ont lâché. Hop. J'ai 65 PV, ça va. Rien de catastrophique. Hein. Ouh, une Nightmare Fuel. Prends. Elles sont faites tuer par les araignées? 27 le casque. Putain, j'ai perdu. Oh non! Non! Le truc dégueulasse. Je me suis fait coincer par un truc qui n'existe pas là. Et oh putain. Allez, je me barre, c'est bon. Chester, t'as pas intérêt à crever. Putain, je pouvais passer là. N'importe quoi. Il y avait de la place, hein. Il est pas gros, Maxwell. Bon, tant pis. Je vais pas y retourner. J'ai quand même pu récupérer du Nightmare Fuel, du coup. Donc j'ai de quoi invoquer un clone. Hop. Putain, mon casque. Et ma vie surtout, oh là là. Ouais.
Bah d'ailleurs, tiens, hop, prends pas de risque. Voilà. Oula, et bon, je vais directement dans le nid d'araignée là. Je sais pas ce qu'elle nous crache, c'est dégueulasse. C'est saleté là. Ouais, j'ai pas tout regardé ici non plus. Je vais aller jeter un coup d'œil avant de remonter. Hop, hop, hop. Est-ce que j'essaie de récupérer une coquille? Parce que je vois que j'ai un escargot là, juste... Oula, juste là. Parce que j'ai mon sceptre de feu, mais je pense pas qu'un coup, ça le tue. Puis ouais, c'est toujours le même problème. Mon casque, j'ai que 12%. Non, on continue. Bon, alors faudrait que je la tire ici. Il y a de la lumière, mais bon. Oh, mais putain, l'autre il se coince dans les troncs d'arbres, quoi. Alors qu'il pourrait passer. Hein. C'est n'importe quoi. Ah, mais lâchez-moi. Ou alors suivez-moi pour aller tuer l'escargot là. Je sais pas si ça marche. Non, je crois qu'elles m'ont lâché. Non, elles ne m'ont pas lâché. On va refaire un petit peu le plein du coup. En surveillant le sol. On ne sait jamais. D'ailleurs, hop. Pas pratique pour recharger, parce qu'on est obligé de recharger un par un, c'est super mal foutu je trouve. Allez hop, carotte on prend. Ça peut servir. Tiens, viens ici, je te donne ça. Hop. Alors, l'escargot est de l'autre côté, parce qu'en théorie l'escargot doit être super résistant. Avec la carapace qui se trimballe. Donc peut-être que le feu c'est un bon moyen de l'éliminer. Mais je suis pas bien équipé pour. Ah mais il y a des araignées, il y a peut-être moyen de faire quelque chose. Alors attendez. Hop. Tant que je suis pas dans le caca. Hop, on recharge. Oh punaise. Bon. On passe par-dessus. Vite, vite, vite. Ah oui, non, mais d'accord. Je crois que c'est le petit escargot avec la petite coquille. Mais non, c'est le gros machin. Ils se battent entre eux ou pas? Ah non, là, ils tapent contre Chester. Chester, bouge tes fesses. Mais alors, parce que c'est bizarre sur la map. C'est le petit escargot, alors. Ouais, je sais pas. C'est un peu bizarre. J'aurais bien envie de foutre un coup, mais là, Manchester est en train de se faire défoncer. Par ces saletés d'araignées. Putain. Ouh, des lucioles. Alors, attends. Mon filet, il est là. Mais non, patate. Merci. Hop. Hop. Voilà, la même blague que tout à l'heure. Tac. Tac, la luciole. Il est où le casque? Il est là. Voilà. Bon. Est-ce que je vais essayer de foutre un coup dans la grosse coquille, voir ce que ça fait? J'ai bien envie. Alors ce qu'on va faire, on va mettre l'armure ici. Et comme ça, si c'est la plus mauvaise idée que j'ai eue de la journée, on se barre en se courant. En se courant, ce qui ne veut rien dire. En courant. Hop. On va essayer de lui mettre des coups de ceci, voir ce que ça donne. Ouais. Ah non, mais c'est un nid en fait! D'accord! Alors attends, je vais essayer de les gérer.
va essayer de récupérer une coquille. Non, sors de là. Aïe. Putain, merde. Je fais n'importe quoi là. Vas-y, attaque. 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 C'est quand tu veux que t'attaques. Il rentre, hein. Putain, mais... Tu me saoules, toi. Mais on peut pas récupérer sa coquille? C'est quoi cette blague? Et si on le casse, ça? Broken... Ah, elle est pétée, la coquille. Merde. Crudy. Bon. C'était peut-être pas le truc le plus intelligent à faire. Il en reste là-bas. D'accord, donc c'est un nid. Je pensais que c'était un monstre, en fait, ces machins. Bon. Je pense que j'ai fait une boulette en le pétant, mais bon. Et ouais, elle est pétée. Alors, est-ce qu'on peut en créer? Je ne pense pas. Oulala. Alors, attendez. Que je fasse pas de bêtises à me retrouver dans le noir. Tac. Et tac. Voilà. Hop. Bon, Chester. On va se rentrer. Bon, j'en ai appris un petit peu plus. Sur les cavernes. J'ai pas réussi à trouver une belle coquille, dommage. Tu es vide à l'intérieur. Il dit ça parce qu'il a faim ou parce qu'il est mélancolique? Allez, temps de chargement, merci. Oula. Il fait bientôt nuit ou pas? Attendez, c'est le début de la journée. D'ailleurs, qu'est-ce qu'elles font là, les chauves-souris, là? Hop. Oh, les chiens. Vite, 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 au camp, au camp, au camp. Ouh, ils sont en route. Ou alors, je les fais se battre. Ouais. Putain, mais il y a plein de bestioles, là. C'est quoi, ce bordel? Hop. Chester, par contre, viens bouger tes fesses. Je vais te mettre un peu à l'écart. Je crois que si je pose ça... Ah, celui-là, il est pas en route. Chester reste ici, normalement. Voilà, comme ça il se fera pas défoncer. Hop. Allez. Comme ça, si je peux récupérer un peu de viande et de poils. Aïe, aïe, aïe. On essaie d'esquiver. Putain, ils sont nombreux les chiens. Allez, allez, entretuez-vous. Alors, ce qu'il y a, c'est que le loot, je vais peut-être pas le récupérer tout de suite. Vu qu'ils sont en route. C'est bon? C'est réglé ou pas? S'il y a des cendres, j'aurais bien récupéré des cendres. Pour me faire des baumes soignants. Mais là, ça va pas le faire. Parce que les cendres, elles s'envolent. Et une fois qu'elles se sont envolées, elles sont perdues. Et voilà, il y en a qui commencent à se barrer. Montrez-moi vos fesses, ouais. C'est toujours rouge. Je fais que passer, ignorez-moi. Hop. Hop, salut. Tiens, lâche-moi. Lâche. Dégage. Dégage. Merci. Hop. Hop. Donc j'ai récupéré quelques cendres. Chester. Tu es là. Je commence à avoir très très faim. Je peux même plus prendre mon Chester. Bon. Hop. Ah, attendez, je peux rien faire là. Je suis blindé de tout. Des carottes. Cook. Oula. Il était temps. Je suis parti si longtemps que ça? Non. Ah ouais, ça fait déjà 54 minutes en fait. J'avais même pas capté. Lapinou. Hop. Allez, murder. Avec Maxwell, ça me dérange pas de les assassiner. Assassiner directement. Carotte. Alors, le caca bizarre là. On le stocke. Pépite d'or. Attendez.
c'est là, store. La carapace pétée, je peux rien en faire. Apparemment non. Mange. Putain, il a super faim. Ah, je voulais mettre cook. Bon, j'étais concentré sur autre chose. Nadmir Fuel, où est-ce que je les mets? Là. Un store. Ça, je vais le mettre au frigo. Hop. Tac. Et tac. Alors, des graines, j'en ai plus trop d'avance. Donc, je vais te donner. Voilà. Ouais, j'en ai pas tant que ça, hein. Mais... Oh, putain. Putain, plus ça va, plus j'ai l'impression qu'ils s'abîment vite, les trucs, là. Bon, je voulais que tu prennes du caca, mais c'est pas grave. Hop. Hop. Voilà, ça a déjà poussé. Oh, ça a la forme du caca, non. Mais non, ils sont sérieux. Voilà, on met du caca un peu partout. Hop. Plante. Tac. Tac. Du caca. Du caca. Alors attendez, parce qu'on va peut-être faire du feu. Déjà, on va manger là. Mange. Voilà. Ça va déjà mieux. Cook. Putain, tu m'as fait que 2 graines. 3. Un radin. Give. Tac. 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 Tiens, fais-moi des graines. Lapin, lapin. Il y avait un lapin normalement, oui. Drop. Murder. Ouais, c'est un acte méchant, je crois. J'ai jamais vu le méchant là qui vient avec son gros sac. Quand on tue trop de lapins. Enfin, quand on est trop méchant. Tac. Tac. Et tac. C'est parti. Oh non, casse-toi. T'as pas bouffé mes baies là. Saleté. T'entends, je te flingue. Hop, toi je vais te ranger. Store. Toi je crois que t'as des choses à me donner, oui. Ça. Hop, les cordes, tu vas les garder sur toi. Faut que je pense à les utiliser prochainement. Ça, je les remets dans un coffre. Hop, store. Normalement, les roseaux. Ouais, je sais plus trop où ils sont. Hop, ça me foutre au feu. Parce que j'en ai de plus en plus. Voilà, pas trop non plus. Faudrait pas que ça prenne feu. Quoique non, ça prend pas feu avec ce feu. Qu'est-ce que je raconte, moi. Mange. Voilà. Cook. Cook. Bon, ben, un max de baies. Tac, tac. Ça nourrit assez bien, je crois. Surtout par rapport à la ratatouille. À la plante. Tac. Ça aussi, je vais aller le ranger. Pour le moment, c'est bon. On verra un peu plus tard si je retourne chasser les lucioles ou pas. Mange. Bon, les bonbons, ils sont en train de s'abîmer. Ils vont bientôt être pourris. Ouais, j'ai un petit peu de nourriture d'avance, et ben on est pas trop mal. Est-ce que t'as des cailloux? Non. Mais des cailloux, j'aurais peut-être dû en ramasser, parce que je dois pas en avoir des masses non plus. D'accord, j'en ai un tout seul ici. J'ai aussi une cendre toute seule, ok. Ouais, des cailloux, hein. Faudra que je pense à en ramasser. Le baume soignant, c'est dans quoi? C'est là-dedans. Je vais juste en faire 3. Voilà.
Donc, tac, tac, tac. L'étoile d'araignée. Hop, c'est là. Attends, j'en ai plus de 40. Là, je cherche mes roseaux. Où est-ce que je les ai foutus, mes roseaux? Je les ai foutus ici. Store, voilà. Et ben voilà. Ça, Chester, c'est pour toi. Non, Chester. Viens ici. Hop. Et ça, on va se la garder pour plus tard. Hop, on la met là-dedans. Et puis voilà. Donc l'épisode est passé super vite en fait. Je me suis pas rendu compte en explorant les cavernes. Donc je ramasse ça pour finir. On la met au frigo. Tac. Et donc je vais m'arrêter là. Ouais, bon, et c'est dans des frigos différents, mais c'est pas grave. Donc je vous dis ben merci d'avoir regardé. Et à la prochaine pour la suite. Salut!